proposer est le suivant. Donc déjà, refais un petit point sur la notion même de motivation, parce que tout le monde en parle, mais la motivation, on va se poser la question, qu'est-ce que c'est au fond que la motivation? Donc je vais essayer de nous donner une petite définition. Et ensuite, on verra que la motivation, c'est crucial. Pourquoi? Parce qu'elle a un impact fondamental, bien évidemment, on imagine, sur le bien-être des personnes, leur capacité à s'investir dans leur job, mais aussi sur la performance à la fois économique et sociale des entreprises. On va voir qu'il y a un véritable lien. Donc là, ça nous amènera à parler des notions de satisfaction, d'engagement et de performance. Et je vous parlerai également d'études qui ont été réalisées et qui attestent des liens extrêmement forts, justement, qu'il y a entre la satisfaction, l'engagement des collaborateurs et la performance, notamment économique, des entreprises. Donc on verra ce dont on est sûr aujourd'hui. Donc des études qui ont été réalisées, re-réalisées, revalidées. Et donc aujourd'hui, il y a quand même des éléments de preuve qui montre que quand on s'intéresse à ces éléments-là, eh bien, ça va dans le sens de la réussite économique de l'entreprise. On verra bien évidemment pourquoi certains sont motivés et d'autres pas. Ça, quand on est manager, j'imagine la plupart d'entre vous managent des personnes, ça c'est la grosse question qu'on se pose tous, c'est comment je fais en sorte que mes collaborateurs, et d'une, aient envie de se lever le matin, et deux, aient envie de mettre leur énergie au service des missions qui sont celles que je leur demande de faire. Donc on verra qu'il y a des facteurs qu'on appelle des facteurs personnels, c'est-à-dire qui tiennent directement aux collaborateurs eux-mêmes. Voilà, on verra qu'on n'est pas tous égaux devant la motivation, c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien, mais il y a des personnes qui sont plus que d'autres à même de s'engager dans l'activité que d'autres. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a également des facteurs environnementaux qui ont un poids assez important, c'est-à-dire que vous, en tant que chef d'entreprise, vous avez les moyens d'agir justement sur la capacité de vos collaborateurs à donner le meilleur d'eux-mêmes dans le cadre de vos structures. Et donc là, je vous donnerai quelques clés pour développer la motivation au sein de vos cabinets. Donc là, je vous parlerai d'une étude qu'on a réalisée dernièrement, une étude qu'on a réalisée, étude Paul Bench, sur un peu plus de 7000 personnes. Donc on s'est posé différentes questions. Il y a une question qui nous a... qui nous taraudait, c'était qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines personnes, à un moment donné, qui sont plus motivées et qui finissent par poser leur démission. Donc on a posé pas mal de questions à plus de 7000 personnes. Et aujourd'hui, on a des résultats. Et des résultats, vous verrez qu'ils sont assez intéressants. Et donc, je vous présenterai les résultats de cette étude et surtout les actions très concrètes que vous pouvez mettre en œuvre. Il y en a qui sont un petit peu compliquées, bien évidemment, pas forcément celles sur lesquelles on va se concentrer en priorité. Mais il y a des petites choses simples qu'on peut faire, auxquelles on ne pense pas toujours d'emblée et qui vous permettront d'avoir un gros effet de levier justement sur motivation, satisfaction, engagement de vos collaborateurs. C'est parti ? Ok. Alors, très rapidement, donc je vous présente Assesseur en quelques mots. Donc, on est éditeur d'outils d'évaluation, de tests de recrutement. Notre mission, c'est quoi? Eh bien, la promesse qu'on fait à nos utilisateurs, c'est de les aider à développer leur performance globale. Et pour ceci, on agit sur trois aspects essentiels. La première, c'est mise à disposition d'outils qui permettent de recruter des collaborateurs plus productifs. Ça, c'est la première chose. Deuxième aspect, on a des solutions qui permettent de développer les compétences et les résultats des équipes en place. D'accord? Parce que, là, on ne va pas simplement recruter des nouvelles personnes pour augmenter la performance, on fait aussi avec les équipes qu'on a. Et enfin, diminution du taux de turnover au poste sensible. On s'intéresse justement aux facteurs qui font que les personnes ont tendance à partir ou pas. Donc notre approche, elle est basée sur une approche en trois étapes, donc ce qu'on appelle Talent Intelligence. On commence toujours par faire de la collecte de data, de données, c'est-à-dire qu'on a toute une série de questionnaires qu'on peut faire passer soit aux collaborateurs, soit aux candidats. Derrière, on a des systèmes intelligents qui analysent ces données, qui simulent toute l'analyse qu'en fait des experts en évaluation, des psys, donc c'est à portée de main de n'importe quelle personne. Et derrière, l'objectif de tout ça, c'est de faire de la prédiction. C'est-à-dire, c'est pas juste de faire de la stat descriptive, mais c'est de vous permettre d'anticiper véritablement les capacités des personnes à réussir. On peut même mesurer ça, notamment avec les populations commerciales, et également anticiper la durée de vie des collaborateurs dans leur poste. Et l'idée, c'est qu'on va intervenir à toutes les phases de la durée de vie, justement, dans le poste, depuis la sélection, jusqu'au développement des collaborateurs, également jusqu'à la transition. Donc aujourd'hui, nos outils sont disibles en 11 langues, donc français simplifié, c'est pas le langage SMS, bien sûr, c'est un langage simplement pour les personnes qui maîtrisent un peu moins la langue, qui leur permet d'avoir des tests accessibles, anglais, allemand, espagnol, portugais, italien, néerlandais, polonais, russe et chinois depuis quelques temps. Donc aujourd'hui, on a 10 clients, donc on accompagne,
quelques-uns des clients, je passe rapidement dessus. Donc on travaille avec des sociétés de toute taille, on a les plus connus chiens, par exemple AXA, on a équipé 70 recruteurs. Donc systématiquement, dès qu'ils recrutent un commercial, maintenant il faut passer les tests, on a équipé tout à déco, la Banque de Luxembourg, HEC, Mythic. Donc même pour Mythic. C'est-à-dire qu'eux l'utilisent dans le cadre de leur recrutement sur les centres d'appel. Mais ce qu'il faut savoir, comme quoi la psychologie peut mener à tout, c'est aussi nous qui sommes derrière le système Mythic Affinity, donc qui permet de se faire rencontrer les personnes sur la base et bien de leur compatibilité psychologique et amoureuse. C'était pour la petite histoire. Et aujourd'hui, c'est 5000 personnes qui, chaque jour, lancent des évaluations, récupèrent des résultats, pour au final prendre de meilleures décisions concernant la gestion de leurs talents au sein de leurs organisations. Et en tout, donc, ce sont 2 500 000 tests qui ont été passés. Donc je ne vous dis pas tout ça pour vous donner des gros chiffres et essayer de vous impressionner. J'imagine que vous n'êtes pas impressionnable, notamment en question chiffres. C'est juste pour vous dire que du coup, on a une très très bonne idée de la façon dont les caractéristiques psychologiques et comportementales se répartissent au sein de la population. C'est-à-dire qu'on a pu notamment étudier dans 156 métiers différents quelles étaient justement les grandes tendances de personnalité, de motivation, d'aptitude qu'on retrouvait. Et on va voir que ça va avoir du sens derrière. On en vient à cette question fondamentale, qui est: qu'est-ce que c'est que la motivation? La motivation en psychologie, on la définit comme l'ensemble des facteurs qui vont orienter la personne vers un but. Donc on peut être motivé par plein de choses. Là, il y a quelques facteurs de motivation. On peut être motivé par le fait de bien gagner sa vie, d'accord? Atteindre le confort financier. On peut être motivé par le fait d'avoir des relations épanouissantes avec les autres. Pas forcément d'ailleurs épanouissantes, il y a des personnes qui vont s'épanouir dans la confrontation à l'autre, dans la compétition. On peut également être motivé par le fait de vouloir exprimer sa créativité au quotidien, pouvoir imprimer sa marque justement sur la manière dont on va réaliser ses missions, ou encore le besoin de prestige, pourquoi pas, il y a certaines personnes chez qui c'est fondamental. Donc motivation, c'est véritablement ce qui va orienter la personne vers un but. Et la question qui est intéressante à se poser, c'est en quoi, justement, la motivation a un impact sur la performance économique des entreprises, des organisations. Eh bien, pour rentrer dans cette question, il faut se poser la question, justement, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise fonctionne et qu'elle fonctionne bien d'un point de vue économique? Si on prend les fondamentaux, il y a quoi? On se rend compte que ce qu'il y a au centre de tout ça, souvent, c'est quand même la qualité des produits et services qu'on va proposer. C'est-à-dire que si on a des prestations qui sont de mauvaise qualité, des produits bourrés de défauts, à un moment donné, ça ne va pas durer très longtemps. Mais on peut avoir les meilleurs produits, les meilleurs services, et puis qu'ils ne soient jamais commercialisés, ou qu'ils ne soient pas bien perçus par les clients. C'est-à-dire qu'il va falloir ensuite, autour de tout ça, mettre un bel emballage marketing. La capacité d'une entreprise à réussir dépend également de son aptitude à se faire entendre sur le marché. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de concurrents. La capacité de communication, l'aptitude également à influencer, à impacter sur les décisions d'achat du client final, et enfin, il y a aussi bien évidemment la manière dont on va gérer l'entreprise, les indicateurs qu'on se donne, et ainsi de suite. Mais il y a quelque chose également qui est fondamental. Ce petit quelque chose, c'est quoi? Ce sont les ressources humaines, tout simplement. Pourquoi? Parce que les ressources humaines, c'est ça qui va, ce sont ces ressources humaines qui vont porter justement la stratégie de l'entreprise, qui vont lui donner vie et qui vont permettre sa réalisation. Alors il y a un truc avec les ressources humaines, qui est un petit peu particulier quand même, c'est que ce ne sont pas des machines. Contrairement aux machines, les machines, elles, peuvent travailler, les Américains disent 24/7, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les êtres humains, c'est différent. Et surtout, il va falloir user de certaines techniques pour tirer le meilleur des individus. Pourquoi? Parce qu'on dit souvent, on peut acheter les bras d'une personne, mais on ne peut pas acheter ni son sourire, ni son bien-être, ni son cœur. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait quand on veut développer justement ce concept de motivation au sein de nos organisations? Ça commence à la toute première étape qui est celle du recrutement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous recrutez une personne, vous avez des comportements qui sont des comportements qu'on appelle attendus. D'accord, vous recrutez une personne pour réaliser certaines missions, pour faire certaines choses, pour se comporter, vous attendez d'elle qu'elle se comporte d'une certaine façon dans la relation à vous, dans la relation aux collègues, dans la relation aux clients. Et la personne, elle a des comportements naturels. Donc dans 0,00000001% des cas, vous tombez sur un candidat, une candidate dont les comportements naturels sont parfaitement alignés avec ce que vous attendez.
Donc ça, bah, c'est génial. Si ça vous arrive, c'est bien. Dans 98,1% des cas, bah, on a quand même un décalage qui peut être plus ou moins important. Donc soit léger, soit carrément avoir vous tomber sur un candidat qui aura des comportements opposés au comportement naturel. Donc quand on veut bien sélectionner, il y a une chose à laquelle il faut faire attention tout d'abord, et bien c'est à bien définir justement cette notion de comportement attendu. C'est-à-dire qu'il va falloir définir avec précision les objectifs qui sont fixés à la personne, quelles sont les missions que vous lui confiez, bien évidemment, mais également, ça peut être intéressant de lui donner des clés sur les manières justement de réaliser ces missions. Parce que parfois, il n'y a pas simplement l'objectif final qui est important, mais également la façon d'y aller. Même si vous proposez deux ou trois manières de faire différentes, au sein desquelles ensuite la personne pourra piocher. Deuxième élément auquel il faut faire particulièrement attention, le profil recherché. Et donc là, on se rend compte que les personnes qui réussissent le mieux dans les entreprises sont les personnes qui sont sélectionnées généralement, bien évidemment sur leurs compétences techniques. Ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Hein, c'est la personne, surtout dans des métiers comme les vôtres qui sont extrêmement techniques. Mais en fait, qui permet aux uns et aux autres de créer de vraies différences au quotidien, ça va être ce qu'on appelle les déterminants psychologiques de la réussite. Ils sont au nombre de trois, donc aptitude, personnalité, motivation. Qu'est-ce qu'on entend par les aptitudes? Pourquoi c'est si important? Les aptitudes, ça va représenter la capacité de la personne à raisonner, c'est ce que la personne peut faire. D'accord? On n'est pas tous égaux là encore dans les aptitudes. On sait bien qu'il y a des personnes là, qui raisonnent plus vite, qui raisonnent mieux que d'autres. Donc il y a deux facteurs qui nous permettent de bien comprendre comment une personne fonctionne du point de vue de ses aptitudes. Il y a ce qu'on appelle la puissance de raisonnement, ça c'est ce que je raisonne juste, et on a également la vitesse d'exécution. Dans certaines fonctions, raisonner juste, c'est bien, ça suffit. Dans d'autres, raisonner juste et vite, c'est juste quelque chose d'indispensable. Et donc pourquoi on s'y intéresse principalement? Parce que les bons collaborateurs, on verra que le besoin de progresser est quelque chose de très important, et bien justement, ils doivent être capables de progresser. Et ces aptitudes, c'est justement ce qui permet aux personnes d'acquérir de nouvelles connaissances, acquérir de nouvelles compétences. Et les aptitudes, elles sont corrélées de manière positive et extrêmement forte à la réussite professionnelle. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les personnes qui ont une forte capacité ont tendance en moyenne à mieux réussir d'un point de vue professionnel, à mieux réussir en formation, c'est-à-dire à acquérir plus facilement des nouveaux contenus de connaissances, à les retenir plus facilement. Et également, ce sont des personnes qui évoluent plus rapidement au cours de leur carrière professionnelle. Et donc, encore une raison pour laquelle c'est très très important de l'évaluer avant de recruter les personnes, c'est que les savoirs s'acquièrent, mais malheureusement pas l'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on s'intéresse justement aux études, il y a ce qu'on appelle les études longitudinales en psychologie qui sont réalisées, où on suit l'évolution des aptitudes intellectuelles au cours de la vie. Vous avez une petite idée de l'âge jusqu'auquel nos capacités intellectuelles se développent? Diriez quoi? 25 ans. Ils sont bons, c'est ça, 25 ans. En fait, on a un développement assez rapide pendant l'enfance, l'adolescence, jusqu'à à peu près 25 ans. Et 25 ans, alors après, ça peut varier en fonction des personnes. Chez certains, ça sera 22, d'autres, ça sera 27. Bien évidemment, en moyenne, c'est 25 ans. On a un plateau, d'accord? Et ensuite, à partir, en fonction des personnes, là encore, mais en moyenne, c'est 65 ans à peu près, ça commence à décliner. Bien évidemment, les connaissances, les savoirs, ça par contre, ça peut continuer à s'acquérir tout au long de la vie. Mais en revanche, la capacité à raisonner, la capacité à faire des opérations mentales sur ces différentes connaissances, aux alentours de 25 ans, c'est à peu près fixé. C'est une bonne nouvelle ou pas? Que ça décline pas, oui. C'est-à-dire qu'on peut faire deux groupes de motivation. Il y a ce qu'on appelle les motivations dynamisantes et ce qu'on appelle les motivations de préservation. Vous en avez déjà entendu ou pas? Non. Alors, les motivations de préservation, c'est quoi? Il faut, pour bien comprendre ça, intégrer ce qu'on appelle les zones de... La notion de zone de confort et de zone d'effort. Il faut s'imaginer en fait l'univers qui s'est représenté comme ça. En bleu, c'est votre zone de confort. Votre zone de confort, c'est quoi? C'est tout ce que vous faites facilement, sans trop vous bousculer, vous êtes à l'aise, il n'y a pas besoin d'en faire de trop. Eh bien, les personnes qui sont mises en mouvement par des motivations de préservation sont des personnes qui ont tendance à rester dans cette zone de confort. C'est-à-dire qu'elles sont plutôt mises en avant par le besoin d'éviter le déplaisir. Elles ne vont pas chercher à gagner, elles cherchent surtout à ne pas perdre, par exemple.
Donc les personnes restent dans cette zone de confort, et au fil des années, souvent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette zone de confort, elle a tendance à se restreindre, jusque parfois à pousser les personnes, eh bien, à devenir un petit peu inhibées. C'est-à-dire que ça va inhiber véritablement le passage à l'action. Alors que les personnes qui sont mises en avant, mises en mouvement par des motivations dynamisantes, ce sont des personnes, eh bien, qui aiment sortir de cette zone de confort. Bien évidemment, c'est pas pour ça qu'elles sont à l'aise. C'est pour ça qu'on l'a pas mis en bleu, mais qu'il y a ça en gris. Ça va créer ce qu'on appelle une espèce de zone tampon, une espèce de zone d'expérimentation, d'accord? Mais du coup, comme on sort de la zone de confort, ce qui se passe, c'est que ça va pousser à, eh bien, élargir progressivement cette zone de confort, ce qui fait que les personnes, eh bien, vont avoir de plus en plus de situations dans lesquelles elles vont être à l'aise. Et généralement, comme les personnes qui s'engagent dans cette voie ont tendance à le faire encore, 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 eh bien, c'est ce qui fait qu'on peut avoir des différences de performance chez certains collaborateurs. Enfin, je ne suis pas dans mon métier, mais en tout cas, par exemple, dans les fonctions commerciales, on peut avoir des différences de performance qui vont de 1 à 20 chez les personnes justement qui sont mises en mouvement par les motivations dynamiques. Donc ça, c'est pour les facteurs personnels. Ensuite, on a les facteurs environnementaux. Donc plutôt que de théoriser là-dessus, on s'est dit, on va mener une petite étude pour valider, en fait, voilà, voir ce qui se passe dans les entreprises en France. Donc on a interrogé 7495 personnes, donc au travers de l'enquête Paul Bench, donc qui évalue justement la satisfaction et l'engagement. Donc on a 33 questions qui ont été posées, donc ça prend pas longtemps, ça prend 5 minutes. Et l'idée, c'était de valider justement, à la fois sur la satisfaction, mais également sur l'engagement, comment se positionner les personnes. Donc pour la satisfaction, on a intégré différentes questions donc qui permettent de valider ces différents éléments. Donc au niveau de l'organisation, c'est-à-dire de l'entreprise, on a posé des questions concernant la vision. C'est-à-dire, bah, est-ce que j'ai une vision claire de l'orientation qui est prise par l'entreprise, par exemple? Donc on avait différents types de questions. Exécution, on avait des questions, par exemple, quand, du type, est-ce que je fais confiance aux dirigeants de cette entreprise, eh bien, pour prendre les bonnes décisions? Adhésion, bah, c'est est-ce que j'adhère justement au projet de l'entreprise? Est-ce que je me reconnais dans le projet de l'entreprise? On avait un autre gros facteur qu'on a appelé équipe. Donc là, on a évalué des éléments liés au management, donc liés à la satisfaction éprouvée vis-à-vis de la relation que j'ai avec le manager. On a évalué, on avait trois questions pour évaluer également ce qu'on appelle l'empowerment. Donc c'est est-ce que j'ai le sentiment qu'on me laisse la place? La place bah, pour progresser, la place pour prendre des initiatives, la place pour me développer. On a toute une partie qu'on a appelée collègues. Est-ce que j'ai l'impression de travailler, est-ce que j'ai le sentiment de travailler avec des collègues qui sont compétents dans ce qu'ils font? Est-ce que j'ai l'impression de bénéficier de ce qu'on appelle le support social? C'est-à-dire qu'à un moment donné, si j'ai un problème, est-ce que je pourrais compter sur mes collègues pour m'aider? Ensuite, pour la partie travail, on avait une partie donc, sur la visibilité, c'est-à-dire est-ce que j'ai la possibilité de constater par moi-même les résultats de mon travail? Ou alors est-ce que je bosse, mais au final, je ne vois jamais l'impact. Moyens à disposition également, est-ce que j'ai l'impression d'avoir les moyens de bien faire mon travail? Des aspects sur la partie motivation, donc est-ce que je suis motivé à donner moyen de moi-même, ainsi de suite. On a fait un point sur les conditions de travail. On a posé des questions qui fâchent, c'est-à-dire des questions sur la rémunération. Est-ce que j'ai le sentiment que la rémunération que je perçois est cohérente par rapport au travail que je délivre? Et il y en avait une autre qui portait sur est-ce que j'ai l'impression que la rémunération que je perçois est cohérente par rapport à ce qui se pratique sur le marché local. Et enfin, donc, des questions liées au développement de soi. Et pour l'engagement, donc là, on avait un grand pôle d'engagement avec 4 questions. Donc, les résultats. Alors, ce qui joue sur l'engagement, question. Donc, la question qu'on s'est posée, nous, c'est qu'est-ce qui fait qu'une personne va rester ou pas dans une entreprise? Qu'est-ce qui peut provoquer, en fait, la démission d'un collaborateur, d'accord? Et quels sont, du coup, bah, les éléments sur lesquels on peut jouer pour renforcer la satisfaction et l'engagement des personnes? Donc, il y a des choses qui ne comptent pas, on va voir. Il y a des choses où on se dit, bah, non, finalement, on s'est rendu compte que ça n'avait aucun impact. Il y a des choses qui comptent pas mal, et il y a des choses qui comptent plus qu'il y a aussi ce qui compte plus que tout, on va le voir. Est-ce que vous avez une petite idée, vous direz, c'est quoi, dans votre avis, qui compte le plus pour un collaborateur? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est vraiment contente, heureuse de venir bosser chez vous le matin? La reconnaissance. Pardon? Alors, l'ambiance de travail. La reconnaissance. La reconnaissance. L'intérêt dans ce qu'elle fait. Voilà, l'évolution, l'intérêt.
D'accord, donc l'intérêt pour les missions qui sont confiées, puis les potentialités d'évolution, ça. Vous avez une petite idée de ce qui ne marche pas? Les choses sur lesquelles, même si on joue dessus, au final, ça ne change pas grand-chose. Je vous propose de regarder les résultats, là. On va regarder tout d'abord ce qui ne marche pas, ce qui ne compte pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien statistique fort entre le fait d'apporter satisfaction aux collaborateurs dans les domaines que je vais vous montrer et le fait qu'ils vont rester dans votre entreprise ou qu'ils vont partir. Alors, première des choses, alors on a évalué des fois les choses qui sont un peu... Avoir un temps de trajet court entre la maison et l'entreprise. On se rend compte qu'il n'y a pas de rapport. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font... Ah mais c'est vrai que des fois on peut se dire, oh quand même. Mais on s'est rendu compte qu'il y en a... Il y a toujours un cas ou deux ou trois, quatre cas dont on se dit, ah je sais, je suis sûr que ça a joué. Mais en évaluant plus de 7000 personnes, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de lien statistique. Deuxième point, bénéficier de flexibilité pour concilier vie professionnelle et vie personnelle. C'est pas ça qui va motiver la décision, c'est pas le facteur qui joue le plus. C'est-à-dire que même si on demande aux personnes de bosser beaucoup, même si on leur demande de s'arracher pour le cabinet, c'est pas ça qui fait qu'à un moment donné, elles vont poser leur démission. Troisième point, bénéficier d'une rémunération cohérente avec ce qui se pratique sur le marché local. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas pour vous. En tout cas, là encore, c'est quelque chose qui apparaît comme n'étant pas le facteur le plus important. Quatrième élément qui joue pas trop, bénéficier d'un salaire cohérent avec le travail fourni. C'est-à-dire que ce qui est marrant, c'est que c'est parfois, même souvent, des motifs qui peuvent être invoqués, à un moment donné. Mais après, on avait une discussion hier, Thierry, et qui était, voilà, en même temps, bon, quand les personnes répondent à un questionnaire, il n'y a peut-être pas les mêmes enjeux que quand elles sont face à leur manager, donc qui les a managés pendant plusieurs années, devant lesquels bah, faut peut-être tenir un discours. Enfin voilà, ah, ça sera intéressant d'en discuter. Travailler avec des personnes compétentes, a priori, ce n'est pas la chose la plus importante. Je vous donne les résultats bruts. Hein. Moi, je n'ai pas d'avis sur la question, je vous donne les résultats tels qu'ils sont apparus. Et enfin, avoir la possibilité de travailler en équipe. Ça aussi, enfin, personnellement, ça m'a un petit peu étonné, les deux là, m'ont quand même assez étonné. Et je me suis dit, avoir la possibilité de travailler en équipe, pourtant on entend justement l'avènement du modèle coopératif, collaboratif, tout le monde avec les histoires de réseaux sociaux, donc on entend de plus en plus parler, et puis ça va être super important. Mais apparemment, c'est pas ça qui gêne. Ensuite, il y a des choses qui comptent quand même pas mal. J'ai oublié le qui. Donc, donner aux collaborateurs la possibilité d'exprimer tout leur potentiel dans le cadre de leur travail. Donc, si vous avez des points d'étonnement ou des choses que vous souhaitez compléter ou apporter une illustration, n'hésitez pas. Donc, donner aux collaborateurs la possibilité d'exprimer tout leur potentiel dans le cadre de leur travail. Faire en sorte que les collaborateurs se reconnaissent dans le projet de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faut qu'il y ait un projet d'entreprise qui soit identifié, faut qu'il soit communiqué, faut en parler, faut qu'il soit explicité et ensuite diffusé. Faire en sorte que les collaborateurs aient l'impression que l'entreprise se donne les moyens de ses ambitions. Alors là, c'est peut-être pas forcément toujours évident d'agir là-dessus, parce que forcément, ils ont forcément un autre regard que vous sur la façon dont vous conduisez vos affaires. Inciter les managers à prendre en considération les idées émises par leurs collaborateurs. Donc ce qu'il y a derrière, ça n'est pas adopter, leur demander d'adopter les idées. Non, c'est simplement les prendre en considération, c'est-à-dire avoir la capacité à les entendre. Instaurer une culture forte au sein de l'entreprise, également quelque chose qui est extrêmement mis en avant. David, une question, est-ce que c'est ouvert à tout type de cabinet on a instauré une culture d'entreprise ou c'était des managers, on n'a pas tous des managers finalement d'entreprise ou... Une culture, est-ce que ça se concrétise comment ces choses-là? Après, la culture, souvent, elle va reposer sur les valeurs. Donc, on a vu ce matin qu'elle ne servait à rien, si c'était à oublier eh bien, notre destinée prochaine qui est la mort. Et quand on a entendu tout ça, je me suis dit, là, ça me met un peu des. Ça va pas bien tout ça.
Non, il a dit, il faut se poser la question de savoir ce qu'elles valent. Exactement. Et bien justement, pour l'instauration de la culture, c'est vrai qu'on peut dire des fois, waouh, ça c'est des préoccupations de grosses boîtes, on n'est pas 200 000 chez moi, je suis pas encore la culture, ça me... Mais en fait, une culture, il y en a une, et des valeurs, il y en a. Et ce qui est intéressant, c'est que même si elles ne sont pas explicitées, il y a des choses qui sont vécues. C'est-à-dire que les valeurs, ça se donne à voir dans quoi ? Ça se donne à voir dans la façon dont on prend les décisions, la façon dont on accorde les promotions, par exemple. Si on monte une personne dans un poste de management juste parce que ça fait longtemps qu'elle est là et puis qu'elle dit qu'elle veut évoluer, alors qu'en fait, c'est très bien qu'en management, elle va être nulle, enfin, je veux dire, à un moment donné, on communique aussi certaines choses, notamment sur le courage managérial, sur la capacité à poser les choses. Et donc, je vais y revenir. Donc permettre aux collaborateurs d'accéder aux formations dont ils ont besoin, faire en sorte que leur manager donne envie aux collaborateurs de se dépasser au quotidien. J'esquive pas la question, hein, faire en sorte que les collaborateurs aient confiance en la direction pour prendre les bonnes décisions, favoriser le partage des idées au sein des équipes. Là, c'est plus dans la relation à vous ou au manager si on a. Donc c'est vraiment au sein de l'équipe même. Proposer aux collaborateurs des missions en cohérence avec leur domaine d'intérêt. Et ça, c'est marrant parce que, du coup, comme je savais que j'intervenais, c'est rigolo parce que moi, je ne m'occupe pas du tout des aspects de comptabilité et gestion. Je suis le pire, vous n'arrivez pas à m'avoir comme client. Enfin, je perds mes notes de frais, c'est mort. Et donc, il y a mon comptable qui est venu nous voir. Et je me suis dit, bah, tiens, il est venu avec sa collaboratrice. Donc, ils sont mis dans la petite salle, ils faisaient leur truc. Je lui ai dit, tiens, je vais leur poser des questions quand même, c'est intéressant. Et ça, c'est un truc. En fait, qui est ressorti énormément. Et après, j'ai eu l'occasion de discuter avec d'autres personnes qui font ce métier-là et qui m'ont dit, alors, je sais qu'il y a des spécialités, il y a du fiscal, du social, des choses comme ça. Et ils me disaient, ça, par exemple, typiquement, ils me disaient que moi, j'ai des collaborateurs, je leur donne la possibilité d'intervenir sur des dossiers dans lesquels ils vont pouvoir utiliser les spécialités qu'ils maîtrisent et qu'ils aiment, eh bien, on sent vraiment qu'ils sont beaucoup plus heureux, tout simplement. Faire en sorte que les collaborateurs aient une vision claire de la direction poursuivie par l'entreprise, c'est important également. Et enfin, ce qui compte plus que tout, donc faire en sorte que les collaborateurs aient le sentiment de se développer, de continuer à apprendre, que vous en parliez tout à l'heure, dans le cadre de leur travail. Faire en sorte que les collaborateurs se retrouvent dans les valeurs portées par l'entreprise. Je reviens sur la question. Justement, cette question des valeurs. On se dit, ouais, moi, je ne vais pas travailler sur mes valeurs. Mais il y a des valeurs qui sont vécues. Et alors, la pire chose à faire, quand on se dit, on va les expliciter, on va les poser. Ça serait soit, vous, de passer un petit week-end, enfin, de passer 2 heures, 3 heures, ou 2 jours devant votre ordi, à taper des jolies choses, et puis à dire, ça, c'est nos valeurs. Ça, généralement, ça ne marche pas. Faire venir un consultant pendant une demi-journée, et puis travailler, on prend les 2, 3, 4 associés avec le consultant, on remue tout ça, et puis il y a des valeurs qui sortent, ça ne marche pas non plus. En fait, les valeurs, pour que les personnes y adhèrent, pour qu'elles aient la possibilité de travailler, d'y réfléchir. Et on se rend compte que la meilleure chose à faire, c'est à un moment donné, peut-être, de réunir ses collaborateurs, et puis de leur poser des questions là-dessus.